Centorno est tombé en panne. Ouais, tire-toi de mon bâton, abruti. Ça, ça me ferait mal. Faudra vous y faire, les mecs. Tanguinou est de retour sur GTA 5. RP. Oh Théo, j'ai une voiture qui chôme. Sponsorisé par Sprunk. Ah t'as vu, y'a un gars là, y'a un gars. T'as dit quoi? J'ai dit j'allais te fumer. Pas d'embrouille, pas d'embrouille. C'est pas un thème de vitesse. Tu crois? Vas-y, allez, 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y, on va voir. Oh, il va si vite. Je lui ai fait croire. T'as vu comment on se dit dans le vent, ce matin? Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est jouer au football. Oh, un pouf, genre, avec ton maillot du PSG. Ouais, PSG en force, Je fraude avec classe. Ah, mais c'est une trottinette électroque. Oh, le feu. Oh, je me pète. Oh, la dinguerie. En vrai, on serait quand même mieux en voiture, ça va pas vite. Hein. Oui. On est très courbés. On a une scoliose tous ensemble. Je suis dans le club de striptease, c'est désertique. Ah, vous êtes dedans, vas-y, attends, on se rejoint dedans, là, vas-y, c'est bon. Batman, un striptease. Pourquoi t'as une coupe de lesbienne, David? Ouais, je suis Marina. Comment tu fais pour faire la pute? Ah, la belle bande. La belle bande de bras cassés. Bon, moi, je respecte le code de la route, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là, on arrive à une intersection. J'ai donc la priorité. L'angle mort, malheureux. Je me rabats dans la voie de droite. Je ne suis pas prioritaire sur ces deux gangstas. Putain, descends ici, toi. Non, non, gangsta, mais Valentin, remonte. Laissez Valentin tranquille. Oh. Il a pété la voiture du gangsta. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué, c'est la voiture d'un Vagos Locos. Ouh. Oh, y a oh. What the fuck, bro? Oh non, comment ça? Dieu n'existe pas. T'es malade, toi. Ah oui, quand même. Comme ça, Dieu n'existe pas. Ah, c'est bien, il te donne une voiture, là, quand tu commences, là. Comment t'as fait pour avoir une voiture, Théo? Bah, dès que je suis arrivé, c'est ouverte à moi, la portière s'est ouverte toute seule, en mode rentre, vas-y. Je croyais que c'était normal pour tout le monde. Et toi, tu t'approches encore à 1 mètre de ma voiture, je te démonte. Je vais te ragar, je vais te mettre une patate. Je vais t'en mettre qu'une. Oh, Théo, t'as la tête d'avoir 12 ans. Oh, t'as 12 ans et demi. Toi, t'as pas de sourcils? Non, bah à l'hôpital ou je sais pas. À l'hôpital? Oh ouais! Ok, oh vas-y, conduis. Oui. Oh! Voilà, j'ai pas de portière, je me sens mal. Hot, le feu! Ah, mais t'as vu ce qui vient de se passer? Rien à foutre! Sur la route, tu impliques les autres usagers de la route! Regarde, tiens! Tiens! Et voilà, on a plus de voiture! Je t'emmerde! Est-ce qu'on tourne ça, Théo? Toi, à l'arrière, tu fermes ton claque-merde, on t'a rien demandé. Femme au volant, mort au tournant. Je suis pas au volant, du coup. Bah, c'est bien pour ça. Rendez-vous à l'hôpital. Marina est enceinte d'Otman, elle va accoucher, vite. Oh, putain. Vite, on y va, go. Le bébé arrive. Pas d'homme. Je vous prendre du Zyrtec 7, s'il vous plaît. Regarde, ouais. Oh. Ça c'est Stronex. Il a eu la flemme de faire un perso. Ouais, c'est quoi ça? Mais regardez, il y a un truc de mécano. Il comprend presque des têtes dedans, genre. Ah là, j'ai une picouse à faire, tu vas me mettre le bras du patient dans ce truc. Faut bien le maintenir. Allez, viens, David, on va te mettre sur la table d'opération. Vas-y, mets-le sur le billard. Il faut que je lui fasse une biopsie au petit père. C'est un hôpital russe, c'est marqué en russe sur les murs. Covid-19. Covid Razoyek. Ouais, ok, ouais, mais j'ai pas ton temps, moi. J'écoute du Chris Brown. Oh, oh ouais. Comment t'as fait? Bah là, on peut se changer dans la salle, là. Oh, le feu, venez, on se met en tenue de... Moi, j'aime bien ma tenue ghetto, hein. C'est qui, lui? Wesh. Vous êtes un malade? Vous avez le coronavirus? MDR. Je suis médecin, faites-moi confiance, je vais m'occuper de vous. Très pas médecin, ce mec. Oh, il a pompé ton flow. Eh, claque-nous la bise, on a le Covid, frère, claque-nous la bise. Et tu t'appelles comment? Pequito. C'est un nom de chien. Yukito. Pourquoi t'es un personnage de Shenmue? T'as la rêve, toi, hein? Chacal. Oh. Chacal, il l'a dit, fils de pute. Bon, allez, les gars, cet énergumène devient ennuyeux, allons-nous-en. Allez, je me pète. Hein. Vous allez courir comme ça dans la rue. Vous pouvez plus vous changer. Il y a un comico là-bas. Vas-y, on se suit, on y va. Il avance pas, mon SUV, vraiment. Bah, pas grave, on va tous monter dans cette Porsche. Aïe. Que je vais conduire. Non, laisse-moi conduire. Oh! 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 Oh!
Mais non, qu'est-ce les qu'il gars, fait tu vas la tuer, oh, et tu vas la tuer et on va devoir galérer à attendre 1000 ans pour être réanimé. Non, non, allez, allez. Oh. T'es par là-bas, putain, t'es chiant. Ah, oh, messieurs, messieurs, messieurs. Mais c'est ton monsieur à toi. C'est mon monsieur. Mais elle va trop vite, y'a un mode ou quoi pour... C'est vrai que la note là, Mariana, elle va vite aussi. Super vite, mais grave. Le compteur affiche combien là? Non mais t'es à 203 km/h en fait. Moi je suis pas rassuré. Ah oui, mais toi la tienne, elle va super vite. Dans cette situation, A, je cède le passage, B, je prie Allah pour ne pas me manger le pare-brise en plein dans... On est juste à côté du Comico, hein. Ah oui, bah je viens de dire. Wesh. Oh, oh, y'a des gens, y'a des gens. Bonjour. Vous êtes chauve et déshabillé, pourquoi? C'est parce que il sort de l'hôpital, il avait le Covid. On avait le Covid, mais c'est bon, c'est réglé. Il avait le Covid 28. On s'est fait vacciner le Pfizer. Abonne-toi. Ça y est, Théo, t'as fait ta petite animation de merde, t'es content? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, vous avez une conjointine. Regarde, il oh, oh, y a du poulet là. Madame, monsieur, vous allez tous sortir, sinon vous allez tous vous prendre des coups de crosse. Oh, un peu d'hospitalité, s'il vous plaît. Moi, je suis venu oh, ici au la préfecture de police pour demander mon chemin. Vous avez parlé sur un autre ton. Merde. Monsieur. M'a tasé, madame, m'a tasé. Monsieur, vous sortez tous. Non, c'est vous qui allez la fermer maintenant. C'est inadmissible. Oh, ah, je vous emmerde. Mais laissez-le. Je vous emmerde. Oh, actez-vous! Non, j'ai passé la frontière, je suis techniquement en Australie. Si vous n'avez plus de juridiction contre moi, et j'en. Ah! Marinel s'est fait kidnapper! Eh, dis rien, dis rien, dis rien! Si t'interroges, dis rien! Comment ça? Eh, personne parle, personne ne t'interroge! Viens, 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 viens me sauver! Eh, mais Théo, j'ai voulu te rejoindre dans l'ascenseur, elle est venue, elle m'a maîtrisé la pute! J'aimerais engager une discussion diplomatique, pourquoi est-ce que vous nous avez menottés? Parce que, en fait, pourquoi vous faites ça? Non, on voulait juste faire des amis, on voulait peut-être même rentrer non, dans la police, rentrez, qui sait? Vous rentrez illégalement. Au secours, ils veulent me kidnapper! Non, mais. Marina, cours! Elle m'aurait pas! Cours! Au secours! Mais Tazella, elle est folle! C'est ma femme! Laissez-la! Mais laissez-moi! Il vient de me kidnapper! Sale de merde! Pardon? C'était la phrase de. C'est quoi ces propos? Non, tu m'as menotté, madame, j'ai rien fait. C'était la phrase de trop. On va les tenir là jusqu'à ce qu'un gouvernement arrive parce qu'il me fatigue. Le gouvernement! Le gouvernement! Y'a Macron qui va venir? Vous faites comme si c'était chez vous, vous hurlez. Ah, partout, la foi et moi d'abord! Des trucs qui sont pas logiques, je vous ai pas autorisé. Ta gueule! Et les gastronex, ils prennent pas partout, une dinguerie, je sais pas. Oh ouais, c'est sûr! Il va rentrer d'un coup avec un bulldozer. Il parle pas trop depuis tout à l'heure. J'arrive pas à sortir mes putains d'armes. Je me casse. Je me pète. Oh mais c'est vrai une patate. Il m'a stické. Tu retournes là-bas. Non. Profites-en Marina, attends. Je veux. Il se fait mais non. Montre, montre, montre frérot. Là, mais j'essaye. Non, je peux pas. Ils m'ont stabilisé. Ça va, je re-rentre, c'est bon, ça va. Salut Théo, ça va toi? Bien, tranquille. Dans ma tentative de fuite, je suis devenu tétraplégique. Oui, mais... Et attends, est-ce que je te vois par la vitre de l'ascenseur? Parce que je t'ai vu sauter. Non, moi, tu dois me voir. David, il a fait une chute de 4 étages, je pense. T'as vu? Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Oh non! Attends, il m'emmène là. Pourquoi ton gameplay, c'est la prison? Attends, on s'est retrouvé en taule vite quand même, hein, putain. Bah, en fait, on était tellement habitués à rentrer dans des lieux bas les couilles que même là-dedans, on est rentré dedans comme si c'était. Ouais, ouais, ouais. Il y en avait deux qui avaient le cul à l'air et tout, tu vois. Et ils peuvent être contents qu'on soit arrivé, ça leur a mis de l'animation dans leur truc là. Parce que, genre, la meuf est complètement pas contente là, mais elle aurait pu être un poil plus rigolote quoi, quand même, même si c'était. Alors, tous ces individus là, 1, 2, 3 et 4. Pourquoi vous jouissez de votre position de supériorité? Et de une. C'est marrant, mais en ce moment, à chaque fois que je vais sur un serveur Gmod ou même GTA, je suis jamais ressorti parce que je le voulais. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok, j'étais parti pour mettre Théo dans le nom. Pourquoi? C'est à cause de la police. Là, hey, on dirait pas grave un truc officiel, genre un document. Hein. Je t'ai dit Théo. Adresse. Ah bah, j'ai déménagé il y a pas longtemps. Bah oui, c'est... Il avait donné ses vraies infos perso, ce malade. Ça me paraissait normal quoi de faire ça, genre. Il est trop lovitch, Théodore. C'est vrai que tu viens ou pas vite fait? Je suis très sur Call of. Bingo! Ah, tu voulais te changer. Yeah, binky, binko, bink, binky. Ah, vas-y, arrête. Binky, binky, binky. Commence n'importe quoi. En vrai, il est pas mal leur petit survêt. Oui, ce que je me disais quand même. On est très les casseurs flotteurs là. Orelsan Grin, souvenir. Yeah! Merde. Du coup, je vais. Mais non, pardon! Théo, arrête de mettre des patates, frère! Là, je suis dans un menu, je ne peux pas faire autre chose que rond pour quitter. J'ai trouvé comment enlever.
Allez, hey, tu m'en remets une, je te jure, je t'encule. J'enlève tout, je t'encule. Donc fais très attention maintenant. J'enlève tout et je te défonce, d'accord? C'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? C'est trop dur. Non, tu fais, à partir de maintenant, tu fais extrêmement attention à au moindre truc que tu fais. Oh, what the fuck? Non, mais c'est qui ça? C'est Stronex? Mais non. C'est très Stronex, ça peut que être Stronex. Non, il était sur Call of il y a deux secondes. De quoi? Comment ça, c'est moi, wesh? Je suis sur Call of, bande de fous. Ok, on peut mettre des kippas. Ah ouais? Vite ma mère. Le chauve là, il a un délire. C'est de rentrer seul dans des serveurs au milieu de la nuit, là, comme là, et de rentrer dans les voitures des gens, et sans dire un mot en fait. Non, mais maintenant c'est moi qui prends grippe, le mec chauve. Vas-y, saoule. Je vais péter la gueule. Vas-y, pète-lui la gueule. D'ailleurs, il se casse. Fils de pute, il m'a mis une mauvaise poil. Okay, il arrive, il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur. Ah, ouch. Oh merde. Cette battle de merde. Oh mais mon gol, mais joue pas à GTRP en fait, c'est pour faire ça. Non mais le pire c'est qu'il parle même pas dans le micro en fait. On rentrait dedans ou... Ouais. Non mais le truc c'est qu'il y a que deux places. On s'en bat les reins au pire. Bah non. C'était, enfin, c'était ma voiture à la base. On s'en fout. On va chercher une voiture Marina, on revient te chercher. Ils sont où? On est des carotteurs. Ah ils sont là. Hello. Salut. Par contre c'est quoi ton arrivée quoi, avec ta voiture pourrue hein? Bah je sais pas, et toi c'est quoi tes taches de sang sur ton costard hein? T'as renversé de la grenadine? C'est de la grenadine, ouais? Non, non, y'a pas de grenadine, mais t'as vu comment t'arrives avec ta panto? Je pense que t'es un peu plus grave. Bon, t'arrives à 180 sur la barrière, après juste en sortant, t'en bats les couilles, y'a aucune réaction, tu viens voler ma voiture, tu crois que c'est normal que ça? Ouais, les gars, calmez-vous, séparez-vous, y'a rien, Hotman, retiens-toi! C'est bon. Non, mais c'est bon, y'a rien, les gars, c'est bon, il m'a échappé ma mat. Enculé, va! Arrête! Désolé pour ce désagrément. Culé de merde! Arrête, wesh! Non, arrête, wesh! Enculé, va! T'es con! Je le connais pas! Je le connais pas, la tête de la merde! Mais je sais pas, je l'ai croisé à la concessionnaire là! Et. Bah, il est monté dans ma voiture! J'ai sympathisé avec lui, genre. Théo, t'es un malade! Sors! Théo, sors, pour de vrai, sors, frère! Salut! Non, mais Dara, si tu casses les couilles, Fat, putain, tu m'en donnes, y'a quoi, moi? Oh, je te présente mes excuses! Bon, mais bon, bah, juste évite de faire ça, tu vas juste casser les couilles aux gens en faisant ça. Désolé, je te présente mes excuses, les plus sincères. Non, mais bon, bah, écoute, juste évite de faire ça. Arrête de faire ça. Ça ne se reproduira plus, les gars. Ferme-le là, il monte. Non, mais t'arrives dans des trucs comme ça, de 200, tu te ramasses avec. C'est pas grave! Vas-y, monte là! Monte avec lui, taillez-vous. Excusez-moi encore, hein, désolé! Allez, bonne soirée, ciao! Fils de pute! J'en fais des doigts. Fils de pute! Tu sais que si on fait ça, c'est totalement normal qu'on se dirait. Eh oh! Oh! T'es sérieux là? Mais avance, ils vont revenir! Mais non, mais c'est lui, ma voiture à fume là! C'est trop laid ça ou pas? Non. Mais non, c'est le fou! C'est le chauve de tout à l'heure! Ok, je vais aller au Comico. Je dis, y'a un chauve en survêt. La dernière fois qu'on est allé dans un Comico, ça s'est pas bien fini. Non, mais là, on va porter plainte contre lui là. Je voudrais porter plainte contre un monsieur qui fait que de me suivre depuis tout à l'heure et qui est fou avec sa voiture complètement fou. Avant de faire ça, tu viens d'être au PC, je vous ai vu, donc c'était vous qui a commencé à rentrer dans les gens. Ah non, non, on aurait pas dû venir. Ah non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Ah, vous êtes un policier en civil? Oh, il est là, cache-toi. Il y a un mec de talent. Non, vas-y, viens en dessous. Il va me balancer. Par contre, c'était quelqu'un des deux dans la panto pourrie là, qui me fait un doigt du coup. De qui? Ton passager, il me semble qu'il m'a fait un doigt en partant. Ah, bah je crois que oui, il a fait un doigt, mais je suis pas sûr. Bah j'étais concentré sur la route, du coup j'ai pas forcément vu ce qu'il a fait quoi. Bah après, est-ce que vous avez remarqué le chauve, le blanc tout chauve là, avec sa panto blanche? C'est ta voiture de flic, Hotman. C'est toi Théo. Je vous dis, je le connais pas, hein. Je viens de le rencontrer hein. Ah oui, t'as trouvé une issue. Théo, je suis en train de te couvrir et tout. Et toi t'arrives. Je vais chercher Marina. Je suis un concessionnaire au milieu de la map. À ah côté, ok, y a... j'arrive, je sais où t'es, à côté de la mination. Eh Ganguinou, le chauve, ouais, il est revenu devant Comico. Ah c'est bien, détourne le vrai problème. Le pire, il est... Ah oui. Il a pris sa voiture, ouais. Marina, monte, on part au soleil dans le désert. Oh non, mais je me suis...
bouffé un poteau, putain, elle avance plus. Je suis devant toi là, je te vois. On va plus aller très loin, faut qu'on se cache. Il y a une chasse à l'homme là, il est à ma recherche le mec. Oui, oui, bah le gars, le keuf, il a pris sa voiture, il a mis sous sa tenue de keuf, il est paré pour venir te chercher quoi, il est parti en dérapage. Oh, j'entends la sirène. Oh, Marina, c'est toi. Viens, Marina, je suis recherché. Marina, Marina, je vais te dire un truc qui est vrai là, c'est que là, il y a une chasse à l'homme qui a été engagée, d'accord. Là, je suis recherché par la. La LSGROPD. Si tu vois une voiture de flic. Il y a un mec à droite. Oh oh, vite, dans le buisson. Non, c'est pas eux, ça va, je commence à être parano. Si, il y a des flics qui arrivent là. Ah, si c'est les flics, c'est qu'ils veulent ta peau, hein, ça c'est sûr. Oh oh. Il vient de passer le flic. Ah, j'ai trouvé la bagnole blanche du chauffe-fou là. Attends, il y a des bagnoles là. Oh, mais il y a un convoi. Mais t'as vu, il y a le flic devant toi là. Ah merde. Monte dans le véhicule, toi là. Oh, le con. Ok, ok, ça va, ça va. On va où? En cellule. Ok. Vous avez mis où le véhicule de l'SPD? Elle est cassée. Il s'est fait arrêter. Comme le mardi 6 juillet, il est actuellement 3h23. Vous êtes dans l'état d'arrestation pour les faits suivants: refus d'obtempérer plus vol de véhicule de l'SPD. C'est légitime. Vous avez droit à l'avocat, vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit de l'eau et de la nourriture. Avez-vous bien compris vos droits? Ah, ça fait beaucoup de droits. Écoutez, mon avocat, je le connais et je le demande. Il s'appelle nul autre que... non, comment il s'appelle déjà? Collins. C'est quoi ton blaze? C'est quoi, toi? Busto Collins. Mon avocat est Busto Collins, c'est lui que je demande. Busto Collins, c'est mon avocat. C'est pas un... Je suis son avocat, mais attends, est-ce que j'ai le temps de me mettre en costard vite fait? Non. Déjà, je crois que... Non, j'ai pas le temps. Je vais retirer tous vos moyens de communication. Monsieur l'agent, c'est un peu tendancieux là ce que vous faites. Bon. Oui, bonjour. Circulez s'il vous plaît, merci. Ah pardon, navré. C'est mon ami, c'est pour ça, je trouve ça un peu injuste ce qui se passe, mais bon. Injuste. T'inquiète pas bébé, je reviendrai, ouais, je ressortirai. Dis-leur mon amour. Je serai de retour à la maison d'ici 4 à 8 ans. Putain, ça me rend folle. Non, arrête bébé, arrête bébé, la violence n'est pas une solution. Ah, elle a mon tempérament. Je suis un peu comme John Dillinger, c'est gangster dans le temps. Ouais, enfin bon, vous faites votre métier, je fais le mien, écoutez. Chacun son truc. Vous, votre rôle, c'est de me foutre en cabane ici, et le mien, c'est d'être ici, derrière les barreaux. On a tous notre rôle, notre destinée. Vous croyez au déterminisme? Moi, oui. Nous ne sommes que le fruit de notre destin, de notre condition. Je prendrai la cellule 5. Non, la 5, c'est... Oh, cool, en vrai, c'est cool. Faites quoi, là? Quoi? Ah, mais... Faites quoi, là? Je suis l'avocat, je suis Busto Collins. C'est mon avocat, c'est mon avocat. Bonjour, Busto Collins. Je suis Monsieur Collins, l'avocat de... Ok, bon, vous, c'est un déchirement de visa direct. Comment? Non, attendez, c'est mon avocat. Je suis véritablement Busto Collins, il vous a prévenu tout à l'heure. Mais c'est mon avocat, c'est Monsieur Collins. Abruti, c'est mon avocat. Non, chut, hey, Monsieur le client, taisez-vous là maintenant. Vous arrêtez maintenant. Excusez-moi. Va falloir respecter monsieur l'agent dans un premier temps si vous voulez que la procédure se passe bien. Excusez-moi, je vous laisse faire votre métier. Parlez entre vous, allez-y. Vous réussirez bien à me sortir de ce pétrin. Allez-y. Montrez-moi un papier que vous êtes avocat parce que c'est bizarre, je n'ai jamais entendu votre nom dans cette ville. Bah, il vient de le dire pourtant, il vous l'a dit à un moment. Alors, monsieur, je suis agent de la LSPD, je sais qui sont les avocats de la ville. Je vais pisser. Et vous n'y êtes pas actuellement, donc pourquoi? Parce que je suis tout nouveau, les papiers prennent un peu de temps à se faire. Mais je pense. C'est pas mon souci, pour l'instant vous n'êtes pas agréé en tant qu'avocat, donc vous sortez tout de suite du commissariat avant que je vous en arrête. Ah, d'accord. Et du coup, mon client ici présent, il va pas avoir d'avocat? Votre client n'aura pas d'avocat, non. Pourquoi? C'est pas juste. C'est illégal, monsieur, c'est un droit fondamental. On est en Amérique ici, c'est un droit. Du coup, il a pas le droit d'être défendu parce qu'il a pas d'avocat, pourtant il vous en a bien sous les yeux, monsieur. Vous êtes pas un avocat, merci. Marina derrière. Vous devriez me faire confiance. Pas du tout. Pour les droits de ce... pour les... Marina, frappe-le, entre et frappe-le, je t'en supplie. Vas-y, fais ça, assure. Pour okay, le droit, okay. Pour les droits de ce monsieur, vous devriez me faire confiance, franchement. Ouais, d'accord, pas de ça. Ah, qu'est-ce que c'est que... Ah, c'est l'embuscade. Mais non. Oh merde. C'est qui cette fille là? Pourquoi tu es là? Dépêchez-vous de sortir du commissariat. Dépêchez-vous, d'accord, franchement, monsieur, dépêchez-vous. D'accord, monsieur. Je suis pour tout le monde, je suis effrayé par rapport à... Je ne sais pas quoi dire, je suis... Waouh. Toi, tu te tais maintenant, tu vas me passer ta carte d'identité. Ah, écoutez, monsieur l'agent, on a tous fait des bêtises dans la vie. Hein, taisez-vous, dernière fois. D'accord. Regardez-moi cette pauvre Winter, son sang qui a giclé sur la porte sans même qu'elle ait eu le temps de se défendre. Vous n'incarnez pas la démocratie, monsieur. Ah, bien sûr que si. $10,000 d'amende. Après tout, vous faites que votre métier. Bon. Oh, j'ai une tenue de détenu, c'est cool. J'adore les films de prison. C'est cool. Marina, bon, allez-y, le pousser, il la rafale. Ça fait Hotman en même temps, genre tout le monde s'est pris une patate. J'étais choqué, je me suis dit, elle va pas vraiment le faire, quoi.
excusez-moi, mon acte n'était pas réfléchi. En plus, t'as vu, j'avais vraiment une dégaine d'avocat. Hein. Incroyable, mais incroyable cette scène. À quel moment? Mais même pour faire un turfu, on n'aurait jamais réussi à se synchroniser aussi vite. J'ai même eu le temps d'aller me changer, quoi. Il m'a très mis là pour une demi-heure, hein, le mec. Hein. Ah ouais? Faut que tu m'aides à sortir, Hotman. Franchement, c'est pas possible. Oh! Ah, tu te TP? Non, non, je peux pas, je me TP en fait. Mec, a de l'espoir. Ah ouais, d'accord. Marina, regarde, y a ton sang là. Oh, c'est qui ça? Mais non. C'est moi, je viens de sauver Théo. Allez, viens. Ok, mais d'accord. Il est là. Oh, mais... Ah non, mais je peux pas. Mais je peux pas, reviens. Mais oui, il peut pas. Je me suis incarcéré pour t'en sortir. J'ai les plans sur moi. Il arrive, il arrive. Et les gars, il arrive. Oh, cache-toi, David, cache-toi. Et tu le maraves. Cache-toi dans les chiottes. Je suis trop pressé de voir ça. Je suis trop pressé. Tu l'encules. On extrape toutes tes forces, d'accord. En fait. Il y a deux. Sachez que le chauve, c'était moi depuis le début. Non, tu mens. C'est gentil. La vie de ma mère que c'est. Désolé, je refais. Non, merci. Je... Ta mère, Stronex, c'était toi. La vie de ma mère, c'était moi le chauve qui vous percutait avec la Punto Blanc. Ok, et t'es un malade. Et t'es un fou. T'as vu pourquoi? Vous êtes tous très chauds. Voilà, vous êtes tous très très chauds. Oh, à vous, Théo, ça t'a surpris que je vienne à ta rescousse en prison? Bah, justement, moi, pour moi, c'était le chauve à la Punto, c'était pas Stronex. Bah oui, moi non plus. Mais à mort, il m'a convaincu que c'était pas lui en fait. Je me suis très incrusté dans la prison, j'ai évité tous les gardes pour venir chercher Théo. Ah ouais, sérieux? Mais tu sais que, moi j'ai fait la même chose que toi, Stronex, mais pour venir le défendre. Et tu sais que, en plus, là maintenant, je suis recherché pour escroquerie. Hein. Genre, lui, il a dit à Marina. Escroquerie! Mais Marina, elle a dit que si je venais, il me butait parce que je suis un escroc. Genre, si je venais de la défendre. Je suis Saul Goodman. Oh oui, salut, hello, motherfucker. Et tchik et tchak et tchik et tchak et tchik et tchak. Et là, il arrive à ce moment-là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu cette musique de beauf. T'as cru que c'était Chita Daron, la prison, vraiment. Bon, je reviens chercher un café à tout. Ramène-moi-en, hein. Eux, ils sont libres et pas toi, ça me fume, en fait. Ah, mais merci pour le café, Dave. C'est cool. Je te fais du sale, mon grand. Je te fais du sale. Ah, on est en prison. Non, je te le pousse. Comment tu fais? De base, il devait tendre une embuscade. Il a perdu patience. Il fait sa gym. C'est le feu. J'ai l'impression que vous me tenez compagnie pendant une heure de colle. Pourquoi elle a une caméra, elle filme un porno, Marina? Oh, trop stylé. Je suis reporter. Marina, on va en profiter pour témoigner des terribles conditions de vie dans les prisons. Filme-moi, vas-y. Petit écran plat, petit lecteur Blu-ray, tranquille. Vous savez depuis combien de temps je suis incarcéré? Non, dites-nous. Ça va faire 18 minutes. C'est des conditions déplorables. Mon co-détenu est un abruti fini. Ah, t'as ramené une pizza en prison. Oh, tu gères, Marina. Ah, oh, c'est une de chez Luigi, en plus, mes préférées. Tiens. Aïe! Oh Théo! Théo! Oh le feu! Vas-y, on fait un groupe. Chacun prend un instrument. Ok. Et 1, 2, et 1, 2, 3. My life is a bit more cooler. That wife is what I told her. Oh babe, I'm coming home with you. I see the hurt, burnt, hurt, and my squeeze. Il met une tarja. Je vais te mettre une patate. Je vais t'en mettre qu'une. Bon, ok. T'as vraiment fait 30 minutes de tôle. Ah, j'ai perdu ma peine. Je suis désormais un homme nouveau, un homme libre. Et j'ai bien la volonté de mener une vie meilleure. Loin du crime, loin du troll. Et je le ferai, non sans un esprit patriotique. Pour l'Amérique, ouch. Culé. C'est mon avocat. Je m'habillais comme un mec qui s'est réinséré. Yo, là, je suis un vrai avocat là. Merde, putain, pardon. Attention. Théo, tu m'as encore mis une patate. Tu sais ce que j'ai dit la prochaine fois que tu mettais une patate. Ouais, mais là, on est en présence d'un agent des forces de l'ordre en claquette chaussette, alors. Autre époque, autre mœurs. Ouais. Hop, hé Théo, je suis très boost au colis. Putain, mais aïe. Ça saoule. Mais ça, on peut pas faire retour sans ça. Il l'enchaîne. Arrête, sale bâtard. Plus jamais de la vie, je te défends, sale fils de pute. Plus jamais, arrête, laisse-moi tranquille. Aïe.
pute. Jamais de la vie je te défends, fils de pute. Théo, tu t'es pas arrêté de taper. Moi j'ai voulu arrêter quand j'ai vu qu'on allait mourir. Tu t'es pas arrêté toi. Non. Putain, je voulais me mettre frais là en plus. Aujourd'hui c'est un grand jour. Alors je vous invite tous à prendre un verre au Bahamas Mamas. Allez, c'est ma tournée, venez. T'es mal. Qu'est-ce que je fais? J'ai jamais autant eu envie de ken une statue à tête de Attends, je vais régler ce souci là. Attends Théo, je vais faire un truc, t'es prêt? Ouais. Oh. Cours. Ah non, moi je suis sage. Il trace. Je voulais être sage. Qu'est-ce que je fais? La danseuse étoile. Ouah. Bon, on y est bientôt là, vous y êtes vous? Qu'est-ce que je... J'ai dit que je vous inviterais à boire un verre, on va boire un verre, venez. Le Bahamas, mesdames et messieurs. Attends, moi je prends ma conso. T'as ta conso, louloute? Moi je prends du whisky. Oh ouais, le dance floor, ouais. Il a rien à foutre là. Les gars, c'est trop drôle. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai? Vous voyez le gars que j'ai pris le numéro? Ouais. Et genre il m'a dit, ouais c'est moi, on cherche Crâne d'œuf. Et Crâne d'œuf, il l'ignore totalement que Crâne d'œuf c'est mon pote en fait. Ah ok, dis-lui, attends, dis-lui, rendez-vous au Bahamas Mamas, je le tiens. Ok. Que ça, tu me balances, frère. Non, mais on va regarder compte, ça va être marrant. Il arrive là, hein. J'ai plus besoin de rajouter. Hein. Je l'ai vu au Bahamas, il m'a dit ok, merci mec, donc je pense qu'il arrive. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait alors du coup? Oh putain, on se cache derrière là. Mais ils sont déjà là, mais on était pas prêts. Ah, mais c'est le mec de tout à l'heure qui m'aimait pas en plus. Je peux pas le blairer non plus. Mais il a un flingue. Oh merde, je vais pas me montrer en fait. En fait, le plan c'est juste de me balancer quoi. Non, je vais te sauver. Venez, à 3, on leur pète la gueule. C'est mes potes, j'ai pas envie. Vas-y, compte. 3, 2, Vas-y. Ah, il m'a chelassé. Aïe. C'est quoi ce plan de merde? Il est sorti d'où, mieux? C'est le mec qui faisait les fucks. Vous avez oublié, ok? Ce qui vient de se passer. T'inquiète, de toute façon, je m'en bats les couilles de... C'est des connards. Mes potes, ils vous ont fait la peau, bande de petites merdes. J'ai tenté un vieillasseau tout nu. Le gars, il avait un couteau, il faisait la taille de mon avant-bras, les gars. Il m'a transpercé de A à Z, vraiment. Et ça me bute à quel point je vous trahis, quoi. Il mange son burger. Miam, miam, miam. Le blessé express. Venez, on va se refaire une santé, là. Et si quelqu'un me dépanne les soins médicaux, ma meuf lui montre ses seins. Satisfait ou remboursé? Il te manque combien? 6 millions 7. Salut madame l'infirmière, vous risquez de me revoir souvent, je suis désolé, hein. Les jeunes, ça fait des conneries. Allez, salut. Quand j'étais dans mon coin et que vous étiez emprisonné là, il y avait un couple. Genre je suis arrivé devant sa meuf alors qu'il était là et je fais « Je suis tombé amoureux. » Et il a dit « Tu parles à qui là ?» Et le mec commence à m'embrouiller, mais tu vois, tranquille, non, on est bien. De quoi? Vraiment, ils me collent, ils me mettent des coups de voiture. Oh, les charrons. Oh. On aimerait pas le dire, mais vous dérangez là tout de suite. Mais non, arrête, c'est malaisant. Non, mais on regarde dans la longue vue, moi, je suis pas votre pote. Non, non, les écoutez pas, il dit de la merde, non. Non, moi je retiens que vous m'avez aidé. Bon, salut. Oh non, ils sont susceptibles. Attends, venez, on tombe un par un de gauche à droite pour faire une chorégraphie de merde. Je me mets bien, hop, allez. 1, 2, 3. Bref. Vive l'Amérique. Les gars, regarde. Avec les mains sur la tête. Le gars veut vraiment pas se protéger le visage en tombant, tu vois. Genre, imaginez un fou qui court comme ça. Ah, c'est la cata. Pourquoi t'as une tête à t'appeler Edwige? Grave. Genre, il y a des joints, des clopes, des bières par terre, genre. Il fait le ninja au-dessus, genre. Wouah. Il est un peu fou, tu vois. Il est trop fort, cet avocat. Je sais tout faire. Avocat acrobate. Ouh. Tu m'as dit que t'arrives en courant devant des gens comme ça. Il est trop fort cet avocat, c'est le meilleur. Et c'est ici que se termine cet épisode de GTA 5 RP. Pensez à bien vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à liker pour soutenir mon travail. Les chaînes de mes amis présents aujourd'hui sont en description et bien sûr vous pouvez aller mater les autres vidéos dispo sur ma chaîne si vous voulez vous taper encore plus de barres. Je vous recommande vivement cette vidéo sur Red Dead Redemption 2 avec Boosty ou bien le dernier épisode de Troll sur Warzone. Il y a vraiment de quoi vous faire passer un bon moment. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine, bye.
Cause right now that's the ball where we can change. Alright, yeah. And if you're coming back to find me, better have.